La la la, j'ai les cheveux longs. Coucou Mamounette, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête? Quoi? J'ai rien. Je sais pas de quoi tu veux parler. Non, mais attends. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as mis sur ta tête, papounet? Ouais, bon, ben j'ai mis une perruque, Mamounette, regarde. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'avoir les cheveux longs. Alors, je m'entraînais là pour voir un petit peu avec une brosse pour ce que ça donnait. C'est assez fastidieux, hein. Mais à quoi tu ressembles, papounet? Quoi? Ils sont pas top tes cheveux là, hein. Y a de quoi brosser, puis je pense que c'est une vieille perruque. C'est tout de travers, papounet, les cheveux. Une vieille perruque sur un vieux papounet, hein. Non mais attends, on dirait une sorcière avec des cheveux roses. Bah écoute, papounet, on a beaucoup de chance parce que Gio Kiplezosi nous a envoyé la nouveauté Air Dorable. Et tu vas savoir ce que c'est que d'avoir de vrais cheveux longs et que tu vas pouvoir les coiffer correctement. Ça m'intéresse, papounet. Générique. Mais c'est affreux les cheveux longs, hein, on voit rien du tout, hein. Et nous revoici, les petits copains, les petites copines. Papounet, c'est horrible. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est une catastrophe. Voilà. Voilà, retrouve tes vrais cheveux et comme ça, on va pouvoir découvrir ensemble la nouveauté Air Dorable. Ça a l'air trop génial. Ah oui, la nouveauté. Explique-moi, Mamounette, quelle est cette nouveauté? Quel est son concept? Alors, tout le monde connaît les Air Dorable, Papounet. Bah oui, elles sont magnifiques, ces poupées. Ces poupées avec de magnifiques cheveux, des accessoires qu'on peut coiffer, etc. On les adore. Eh bien, il y a une nouveauté. Ils ont encore allongé les cheveux, Papounet. Non, déjà que vous avez les cheveux longs. Ouais. Donc là, elles les ont hyper longs. Tout à fait, 25 cm de cheveux sur la poupée, Papounet. Mais on va pouvoir faire plein de coiffures. Et alors, elles s'appellent les longest hair ever. Je te les fais passer tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, Mamounette? Mais ça représente une bombe de lac. Oui, tout à fait. Oh, regardez les petits copains de copines. Alors là, on a le corps de la bombe et ici, le bouchon. Oui, tout à fait. Oh, regarde, Mamounette, il y en a 4 apparemment à collectionner. Ouais, elles ont l'air magnifiques. Regardez les petits copains et les petites copines. Waouh, alors on en a une avec les cheveux multicolores, une avec les cheveux roses, une avec les cheveux bleus et une avec les cheveux violets. Et alors à l'intérieur de la bombe de spray, nous avons une poupée avec 8 surprises, papounet. Est-ce que je ressemble au Père Noël rose? Non, non. C'est horrible. Ouais, d'accord. Je l'arrange définitivement, cette perruque. Oui, tout à fait, c'est plus sage. Alors Mamounette, donc apparemment il y en a 4 à collectionner. Je vois qu'ici on a une illustration. Est-ce que tu penses que ça représente la poupée qui est dedans? Ben je sais pas, mais j'aimerais bien parce qu'elle a l'air trop jolie. Elle est trop belle. Bon, les petits copains et copines, c'est parti, on y va, on va ouvrir cette bombe de lac. Hop, je tourne un peu et voilà. Alors Mamounette, je crois que oui, effectivement, l'illustration qui est sur le devant de la bombe correspond exactement à la poupée qui est dedans, parce que regarde, je vois du blondinet là. Hein. Alors je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais l'emballage il est tout mou, tout souple. Oui, tout mou. Voilà, c'est trop rigolo. Mamounette, je tire. Alors, allez, vas-y. Comme un petit porte-clé. Et alors, nous allons découvrir avec Kiko et copine la poupée qui est à l'intérieur. Donc, je me recule un peu parce que 25 cm, c'est quand même assez grand. Ouais. Et c'est parti. On ne la voit pas encore très précisément. On voit son illustration. Ouais, le mais décor est trop joli, papounet. T'as vu, c'est chouette, hein. C'est trop mignon. Regarde, c'est tout en tortillon. Ouais. Donc je suppose qu'il faut prendre ici et puis détortiller. Bah oui, hein, il me semble. Ça se dit détortiller. Bon, il faut dérouler. Dérouler. Voilà. Parce que sinon, il y a des tortillasses. Ouais, très, ça très c'est bon. Bon. Ouais. Mais détortiller, je. Non. On peut se tortiller aussi, comme ça. Ah, je me tortille. Pas persuadé. Mais non. Bon. Allez, les petits copains de copines, on y va. Donc je vais attaquer par ici. Je suppose que c'est là. Et c'est parti. On découvre cette poupée. Mamounette, j'ai l'impression de déballer un croissant. Ouais, c'est trop bien parce que regarde, les surprises se dévoilent au fur et à mesure. Ah, c'est génial. À chaque petite lamelle, on a des surprises différentes. Et à mon avis, on découvrira la poupée à la fin. À la fin. Alors là, j'ai déjà découvert les deux premières surprises. Moi, je propose qu'on les sorte. Bah oui, bien sûr. Allez, donc la première, c'est celle-ci. Donc on a accès à un petit sachet. Trop mignon. Regarde, Mamounette. Il est violet et il est écrit Air Dorable. Bon, alors il y a le soleil qui joue avec nous, papounet. Oui, aujourd'hui il fait très très beau, les petites copines. C'est génial parce qu'on est quand même une période où il fait un peu froid. Ouais, mois de novembre, c'est pas foufou. Ouais. Hein. Et là, en fait, on a le soleil qui s'invite, donc vous allez avoir un bel éclairage, les petites copines. Ouais, à moitié en fait. À moitié, cette partie-là qui est un peu dans l'ombre. J'ai le soleil en plein front.
Bon, voilà le petit sachet avec une petite surprise. Tu veux que ce soit moi qui l'ouvre? Non, non, on va toutes les sortir, on va les ouvrir en même temps. Oh, c'est mon cadeau, ma moulette, c'est moi qui ouvre. Oh, moi j'aime bien ouvrir les petits sachets. C'est surtout le cadeau d'Eli, on va lui donner. Ouais, c'est vrai. Donc ici, on a un deuxième sachet. Donc okay, il est pareil. Un tout petit peu plus. Non, c'est le même, j'ai dit. Il a l'air un tout petit peu pareil. Un tout petit peu pareil, donc tout premier et le deuxième. On continue, ma moulette. Allez, ouvre-moi une autre lamelle. Hop, 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 regardez. Oh, c'est génial, j'adore comme ça s'ouvre. Sympa, hein. Regarde. Et donc ici, on a un sachet. Ok. Qui est plus gros. Non, il est exactement pareil. Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est plus gros. Et enfin, un dernier petit... Alors, comment on peut appeler ça? T'as appelé ça une lamelle? Je sais pas quoi. Je sais pas. Appelons ça une lamelle. Allez, une dernière lamelle, c'est parti. Hop, voilà. Et là, nous avons... Le dernier sachet. Et la poupée qu'on a pu apercevoir. Alors là, vous voyez son dos à la poupée. Regardez la longueur de cheveux. Waouh. Et alors, je me suis trompée. Elle n'a pas que les cheveux bleus, elle a également les cheveux blonds. Oui. Et tu sais quoi, Monette, ce qui est rigolo? Quoi? C'est qu'elle a conservé la taille des poupées adorables d'origine. Donc elle est comme ça, la poupée. Ah d'accord, c'est juste les cheveux qui... C'est super rigolo. Ils sont super grands. Elle n'a pas des jambes qui vont jusque là. Non, non, non. Elle s'arrête à peu près ici, la poupée. Ah, j'ai cru. Vous êtes prêts, petite copine? Je vous la découvre. Allez. Elle est magnifique. Elle a un visage, ma Monette, tu vas adorer. Elle a l'air taquine et super joyeuse. Attention. 1, 2, 3, attention. Voilà la poupée adorable. Waouh. Ah oui, regardez ses pieds, ils s'arrêtent juste ici. Oh, elle est trop belle. Alors moi, ce que je te propose, c'est de la libérer. Ah bah bien sûr. Allez, on la libère. Hop, c'est parti. Donc ça s'ouvre en deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme un œuf. Regarde, c'est un œuf. Comme un œuf scotché, ma Monette. Oui, regarde, il y a des petites attaches. C'est très simple. Il suffit de tirer dessus. Hop, et voilà. Alors, on va la libérer, cette poupée, et je vais pouvoir te la montrer. Alors, c'est vrai qu'il y a le paquet de cheveux. Ouais, il y a quoi c'est énorme, regarde ça. Waouh. Et là, c'est juste le bas, hein, ma Monette. Hein. Alors, je vais l'extirper, donc je vais la tirer par devant. Hop, hop, hop. Ah. Oh, ma Monette, regarde-moi ses cheveux. Waouh, elle est trop jolie. Donc, elle s'appelle Noah. Noah. Trop bien. Alors on avait déjà ouvert des poupées qui s'appelaient Noah et qui sont également des Herdorables. Donc elle existe dans plein de formes différentes. Oh, regardez son petit vêtement sirène. Alors elle, son thème c'est la mer, hein, on a bien compris. Il y avait plein de petits coquillages partout sur l'emballage. Voilà, regardez, elle est trop mimi. Donc elle a tellement de cheveux, regarde. Ça l'a pris. Regardez, elle est trop belle. Waouh, les beaux yeux bleus. Et les cheveux sont super doux. Regardez comme ils sont longs. Waouh. Et alors quand elle est debout, voilà, tous les cheveux qui traînent. En fait, ça lui fait une traîne de cheveux, quoi. Tu sais pas à qui elle m'a fait penser, maman? Trop belle. Regardez les belles tresses. À qui elle te fait penser, papa? Ben, à Réponse. Ah oui, c'est clair. Waouh, trop bien. Trop cool. Les couleurs vertes et or se marie à merveille, maman. Ouais, avec le bleu et le blond de ses cheveux, tout à fait. Moi, franchement, trop beau. J'aurais pas parié, hein, franchement, j'aurais dit ouais, or et vert, mais en fait, c'est super beau. Bleu comme si, regardez, à la lumière du soleil, les petits copains de copines, je sais pas si vous voyez c'est bien. C'est trop beau. Mais à la lumière du soleil, c'est magnifique, ça brille. Les cheveux or blond là, mais c'est une tuerie, hein, comme ça brille. Regarde, mamounette. C'est beau. Bon, on passe à l'ouverture des petits sachets. Allez, c'est parti, on va découvrir les surprises. Alors, est-ce qu'elle est articulée? Nous allons le savoir tout de suite, je vais essayer de la... Mais oui, les adorables sont articulées, ma bouteille. Alors, on peut même l'asseoir dans ses cheveux. Voilà. Ouais, tout à fait. Allez, dors elle dans tes cheveux. Dormir dans ses cheveux. Dors dans tes cheveux, cache-toi dans tes cheveux. Allez, premier sachet. Donc, vous vous souvenez, petite copine, on en a découvert 4. On avait commencé par celui-ci. Bah, c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, je pense qu'il y aura, parmi les 4, une brosse. Bah oui, il y a tellement de cheveux. Pour les cheveux, des chaussures, elle est pieds nus aussi. Elle est moche et disproportionnée. Ouais, tout à fait. Donc j'espère qu'il y en aura une vraie. Allez, c'est parti, on commence par la première surprise. Qu'est-ce que c'est? Oh, des accessoires. Ah bah, quand on parle du loup, il sort du bois, ma Mounette. Regardez la belle brosse. Trop cool. Trop bien. Et alors, la petite illustration, il est écrit Noah. Trop mignon. C'est sa brosse. Ouais, c'est sa brosse, on peut pas la perdre. Mmh. Et les picots sont assez grands, c'est bien pour brosser parce que là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et on a des petits chaussons. Oh, avec une petite illustration coquillage. C'est trop mimi. Regardez comme ils sont choux. Waouh, trop beau. Alors moi, Mounette, la brosse au poil. Hein. Franchement, ouais, les cheveux passent. Bien. Ouais, les cheveux passent au milieu. Bon, elle pleure pas de toute façon si tu lui tires les cheveux. Oui, ce
qui n'est pas le cas des enfants quand on tire trop fort. Tout à fait. Tu sais ce que c'est, ça, mon bonnet? C'est quoi? Maman, maman, tu peux me desserrer mes nattes? Elles sont un peu trop serrées. C'est vrai. Amélie, quand je lui serre trop ses couettes, et ben, lifting. Elle fait comme ça. Ah, lifting. Bon, allez, on passe à la deuxième surprise. C'est parti. Hop. Deuxième surprise, les petits copains de copines. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? C'est assez plat. Je sais pas, je pense que c'est peut-être une des petites oreilles. C'est une barrette? Oui. Oh! Effectivement, Mamounette, une barrette princesse, regarde. Waouh, c'est diadème. Presque un diadème, ouais. Waouh, donc c'est une petite barrette comme ceci, on va pouvoir coincer les cheveux. Voilà, trop bien. Elle est belle. Elle est belle, hein. Elle est mignonne. J'avais jamais vu ça, hein. Ouais, chouette. Et nous avons aussi un petit collier. Oh, il est beau, violet. Trop mignon. Oh, il est chouette, elle, cool. Elle est vraiment trop, trop belle, hein. Oh, bon, surprise suivante. C'est parti, petit colis de copine. Troisième surprise. Hop, on découvre. Alors là, c'est assez épais. Que... Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. C'est très, très large. Un sac. On y va. Un socle. Qu'est-ce que c'est que ça, ma bonnette? C'est un diadème, en fait. Regarde, ça se met sur la tête comme ça. Oh oui. Regarde. L'illustration, c'est un corail. Oh, mais le truc de fou, ma bonnette, regarde. C'est vraiment la reine des mers. Ah ouais. Je sais pas si je l'ai bien mis parce que j'ai mis à l'aveugle. Ouais, bravo. Oh, délire. Mais t'as un truc comme ça. Remarque, ça équilibre avec les cheveux. Hein, c'est lourd derrière, c'est lourd devant. Waouh, oui, c'est la reine des mers. En même temps, ça faisait un peu sirène, je trouvais. Hein, bah oui, à fond. On a dit une queue. Hein, à fond. Queue de sirène. Bon, allez, dors. Dernière illustration, j'allais dire, mon Dernière surprise. Allez, je me peigne un peu, ça va aller. Allez, on reprend. Voilà, quatrième illustration. J'allais encore dire illustration, maman. Sachet. Un sachet. Un sachet. Un sachet. Un sachet. Ça sent. Se faire ouvrir sans son sachet. Ça s'appelle pas une illustration. J'y arrive pas. Alors, un sachet. Quatrième sachet, les petits copains et copines. C'est parti, on l'ouvre. Alors là aussi, c'est plat. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ma monnaie? Bah, c'est le socle. Bah, c'est le socle. Alors ça, il c'est semblait top. Aussi qu'elle avait un peu de mal à tenir debout. Ah bah alors ça, c'est top, les petits copains de copines. Ça va nous permettre de la mettre bien stable. Regardez, un socle. Waouh, cool. Donc là, je suppose qu'il suffit de mettre les pieds dans les petites encoches qui sont devant. Voilà, donc on lui écarte les jambes. On la place comme ceci. Alors, on va essayer de ne pas attraper. Mais alors, ma monnaie, je comprends pas. Parce que là, elle a une robe qui gêne. Attends, ma monnette, j'essaye de comprendre. Ah mais non, en fait, la robe gêne pas. Ouais, non, parfait, non, ça tient bien. Non, la robe ne gêne pas. Et en plus, regarde, tu peux placer le socle sur le haut de la bombe. C'est pas vrai. Yes. Ils ont prévu ça? Bah oui, ça va pile poil. Oh, c'est génial. Regardez, petit colis de copine. Oh, mais c'est génial. Alors attends, je vais lui remettre ça comme il faut, parce que je l'ai mis un peu à la rage. Et ensuite, quand on a fini d'ouvrir l'emballage, tu peux récupérer le petit porte-clés du début. Oui. Voilà, alors, tu peux le récupérer. Oui. Et puis tu peux l'accrocher la brosse par exemple dessus. Attends, tu me dis qu'on peut réutiliser ça? Ah oui, ça s'ouvre ici, les petits copains de copines. Et donc on peut accrocher la brosse. Mais qu'est-ce que j'ai fait de la brosse? Elle est là, bah oui. Oui, il y a un petit toutouillou. On peut l'accrocher. Non mais c'est génial. L'emballage a une deuxième vie, ma mounette. Ouais, trop bien. Super, bon les petits copains de copines, moi j'ai adoré ce déballage. Ouais. Le soleil s'est en allé. Hein, lui il s'est dit c'est bon, j'ai vu le déballage maintenant. Putain, je me fais mal. C'est vrai, on avait l'impression que les rayons du soleil venaient lécher la surprise. Je suis un rayon de soleil, maman. Ouais, je lèche la surprise. Oui, d'accord. Bon, les petits copains de copines, on espère que cette vidéo vous a plu. Hein, cet unboxing était vraiment génial. Airdorable a su renouveler le concept. Oui. Bravo, Joe qui prête. Là, on a ouvert Noah, mais il en existe encore trois autres. Trois autres. Ouais. Peut-être que vous les verrez passer sur cette chaîne. Peut-être. Bon, les petits copains de copines, on fait gros bisous, likez, partagez, commentez. On va apporter cette petite poupée à Ellie quand elle rentrera de l'école. Elle va l'adorer. Elle va l'adorer. Soyez sages et surtout laissez-nous des petits pouces bleus. Et puis abonnez-vous. On sait sur quoi, ma monnette? Sur la poupée. Ah zut, j'allais me laisser. Oh non, pas sur ce tapis là, cette vieille pelure. C'est pas un tapis, ma monnette. Bon, ben comme tu veux. Bon, allez, sur la poupée, t'as raison. Oh, la poupée adorable, la poupée adorable, la poupée adorable, la poupée adorable.